Bonjour, c'est Ken. Je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et aujourd'hui on va voir comment soulager le dos. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, donc je vous avais dit c'est une vidéo en trois parties, donc sur comment soulager le dos en trois parties, trois trucs qui sont très très importants. Donc la mobilité, c'est une vidéo que j'ai déjà faite, vous pouvez la retrouver ici ou le lien dans la description, je remets le lien dans la description de cette vidéo. Donc, comment soulager le dos avec la mobilité. Là aujourd'hui, on va voir le gainage, donc comment travailler le gainage efficacement pour soulager le dos et l'exercice pour améliorer la posture, exercice de renforcement postural. D'accord? Ce sera la troisième vidéo. Aujourd'hui, le gainage, c'est une vidéo qui me tient à cœur parce que je commence à voir quelques vidéos sur le sujet qui vont contredire que le gainage est inefficace pour le dos, mais ils parlent d'un gainage mal fait en fait. Je vous explique. Des fois, je vois des vidéos où on va parler de gainage qui n'est pas efficace pour le dos, et quand on va montrer l'exercice, on va faire l'exercice pour. Quand tu montres l'exercice, tu montres l'exercice pour travailler les abdos. Les abdos, en fait, c'est. En général, on parle du grand droit de l'abdomen. Les abdos s'insèrent ici, et leur rôle, c'est faire ça. D'accord? Se plier. Donc, en effet, ils n'ont pas de lien sur le dos, mais ce n'est pas du gainage. Le travail de gainage, c'est le travail de muscles profonds. Donc, quand on parle de gainage et qu'on montre l'exercice pour travailler les abdos, on est déjà à côté de la plaque. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. On va voir comment travailler le gainage de façon efficace pour travailler le dos. Donc, le gainage. Le gainage, c'est le travail des muscles profonds, du transverse, donc des muscles qui sont sous les abdos, qui vont rentrer le ventre, qui vont bloquer les organes et qui vont gainer le corps, d'accord? De toute façon, vous pouvez le voir quand vous serrez le ventre, pas juste vous amincir, quand vous cherchez à vous amincir et vous auto-agrandir, cherchez à vous auto-agrandir et vous amincir, vous allez vous sentir beaucoup plus solide, le dos beaucoup plus main nue. Ça, c'est important, c'est un détail qui est souvent oublié. On parle de gainage sans parler de l'auto-agrandissement, sans parler de travail de posture auto-agrandissement pour travailler des muscles profonds. Le gainage, c'est plus complexe, ça en a l'air. Je vais tout de suite amener dans le vif du sujet pour que vous compreniez. On parle de gainage, des fois on montre cet exercice-là, ici, là, et on dit voilà, ben, ça gainage, voilà, ici, ça travaille le ventre, ça n'a rien à voir sur le dos. Déjà, premièrement, il faut voir l'équilibre musculaire, déséquilibre, équilibre musculaire. Le gainage ventral peut avoir un rôle sur le dos pour équilibrer. Deuxièmement, il y a le travail d'auto-agrandissement. Un gainage comme je l'ai fait, ce n'est pas un gainage. C'est du à peu près, ce n'est pas du gainage ça. D'accord? On va voir ça. Déjà, on va vous montrer trois gainages différents. Le premier gainage qui va vous paraître le plus évident pour le dos, qui est bien aussi pour travailler le dos, c'est celui-là. Allongé sur le ventre, ici, je vais chercher à tendre les jambes le plus possible, donc contracter les cuisses, chercher à tendre les jambes, pas lever les jambes, parce que là, les jambes sont fléchies, donc potentiellement je vais me faire mal au dos. Je tends les jambes le plus possible, je contracte les cuisses, et les jambes vont se lever tout doucement, donc les fessiers vont travailler, ischio-jambiers vont travailler, les lombaires vont travailler. D'accord? Ici, en contractant les cuisses, je cherche à vraiment amener les jambes le plus loin possible en arrière. Ici, je vais amener les paumes de main vers le sol, sortir la poitrine. Si je peux, je décolle les mains. Et je m'agrandis bien, en tendant bien les jambes le plus possible, auto-agrandissement. Je ne lève pas la tête ici, pas la nuque en hyperextension. Je garde le sommet de la tête qui s'agrandit, les épaules basses, la tête le plus sortie possible des épaules, et je m'auto-agrandis. Là, il y a un travail efficace sur les lombaires, les spinaux, les muscles autour de la colonne vertébrale. Ici, je m'auto-agrandis bien. Je suis à l'aise, j'ouvre un peu plus les bras. Ici, toujours les épaules basses. Là. Et si je veux faire plus dur, je tends les bras vers le ciel, un peu plus haut. Ici, d'accord. Sur une trentaine de secondes, c'est mon exercice sur 30 secondes, ça va vraiment travailler les lombaires, les spinaux. Le fait de lever les bras ici, travailler un peu plus intensément les lombaires, vous aussi travaillez les trapèzes. Donc ça ne vaut pas forcément le coup, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas de problème de trapèze, ça peut être intéressant, mais toujours en s'agrandissant bien. D'accord? Donc cet exercice, c'est un exercice de base pour travailler les muscles du dos. Un repère pour savoir si c'est vraiment ça qu'il faut que vous fassiez travailler pour savoir si ça vous soulage le dos. C'est quand vous faites cet exercice-là, surtout bras ouverts sur 30 secondes, vous faites à côté celui-ci, le gainage ventral ici sur 30 secondes. Si vous voyez qu'il y a un gros écart entre les deux, par exemple, ce qui est très courant ça, sur le ventre, bras ouverts, auto-agrandissement 30 secondes, vous le trouvez beaucoup plus facile que le gainage sur les coudes, sans vous donner de consignes particulières sur le gainage.
gainage sur les coudes, comme ça, jambes tendues. Vous trouvez que le gainage sur les coudes, jambes tendues, c'est très dur par rapport au gainage ventral sur le ventre. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre musculaire. Ça veut dire que votre dos est beaucoup plus fort que le gainage ventral. Et là, en l'occurrence, ça vaut le coup de gagner le gainage, de travailler le gainage ventral. Toutes vos articulations du corps sont maintenues par différents groupes musculaires. Par exemple, l'épaule, il y a les muscles du dos et les muscles des pecs. Si vous avez les muscles des pecs trop forts, les épaules vont s'enrouler en avant. Ça va créer un déséquilibre musculaire. L'épaule va être plus travaillée que sur un côté que sur l'autre. Il est déséquilibré. Donc, il y a un côté qui est plus tonique et vous risquez d'avoir des douleurs devant. Ici, c'est le dos qui travaille. C'est un peu comme l'image de l'épaule. Le dos qui est très très fort, qui contracte constamment, le ventre n'arrive pas trop à équilibrer, il y a un déséquilibre musculaire, ça peut être une des raisons des tensions du dos. La souplesse aussi, hein, ça j'avais pas parlé dans la précédente vidéo, mais la souplesse sur les ischio-jambiers ici, pouvoir descendre bas, ça peut aussi également jouer sur le dos. J'avais oublié d'en parler celui-là, mais ça peut jouer aussi, problème de souplesse sur le dos. Ça peut jouer, d'accord? Savoir descendre assez bas, si on est assez souple ici, le bassin peut respirer, donc le dos peut respirer. Si on est bloqué, ça peut aussi jouer sur le dos. J'ai oublié d'en parler dans la précédente vidéo, donc voilà, pensez à travailler la souplesse. Mais bref, le gainage, voilà, faut équilibrer. Faut être fort gainage ventral et gainage lombaire. Donc très important de faire le gainage ventral pour travailler le dos. Très important de faire le gainage lombaire. Le gainage, gainage ventral pour travailler le ventre, ok? Pour équilibrer, il faut que votre corps soit fort des deux côtés, devant et derrière, ok? Maintenant, ce qui est important, gainage ventral, c'est pas juste s'installer sur les coudes, d'accord? On s'installe pas juste sur les coudes et on attend que ça se passe. Un gainage ventral, c'est plus compliqué que ça et c'est là où ça va vraiment jouer sur le dos, d'accord? Donc, je suis aussi prof de pilates, d'accord? Je donne des cours de pilates et au pilates, on met vachement ça en avant. C'est le travail des muscles profonds avec un ventre rentré et surtout un auto-agrandissement. Si vous n'êtes pas dans l'auto-agrandissement, vous n'avez pas une correction posturale qui va améliorer justement ce maintien du dos. Si je fais un gainage, je schématise debout juste ici et j'attends que ça se passe, vous voyez, je suis avachi. Normalement, un gainage ventral, c'est je m'auto-agrandis, j'abaisse les épaules, je tends les jambes, je serre le bas du ventre le plus possible et je maintiens ici en serrant le ventre. Et ce qui va être dur, c'est garder ce ventre serré tout le long. C'est-à-dire, si je respire avec le ventre, comme ça, ici, là, donc j'exagère un petit peu, d'accord, bah, ça veut dire que le dos, il se relâche, il se contracte, il se relâche, il se contracte. Donc, il y a deux secousses sur le dos. Je ne suis pas constamment sur mon gainage ventral. L'idée, c'est maintenir le ventre serré, auto-agrandissement, je serre le ventre et je maintiens. Un exercice que vous pouvez faire debout, qui est intéressant, c'est ici, j'abaisse les épaules, je m'auto-agrandis, je cherche à me tirer sur le sommet de la tête, j'abaisse les épaules, je serre le bas du ventre et je garde ce ventre rentré. Et ce qui va être dur, c'est ici, ventre rentré, j'inspire et j'expire, bouche ouverte fortement, pour serrer le ventre encore plus possible. Là, et là, vous allez sentir que ça contracte fortement et même ici, ça va vous auto-agrandir et ça va soulager le dos. Et donc, le gainage ventral, c'est ça. Ici, les coudes sous les épaules, d'abord sur les genoux. Je serre le bas du ventre, donc le périnée. Je serre le bas du ventre le plus possible. Je veux rentrer le ventre sous les côtes. Je pousse sur les bras, ici, en restant sur les genoux et je garde le ventre rentré. Et je cherche vraiment à baisser les épaules, à m'auto-agrandir comme si on me tirait sur le sommet de la tête et coccyx en arrière. Ici, et je rentre le ventre. Déjà, rien que là, ça bosse déjà bien. Et après, si on est à l'aise, on cherche à tendre une jambe, on cherche à tendre l'autre, et toujours la même idée, je m'auto-agrandis talon en arrière, j'abaisse les épaules, je serre le bas du ventre, et je maintiens. Ici. Mais le fait d'être fort, ne serait-ce que sur 20 secondes, 20 secondes déjà avec le ventre rentré, c'est déjà pas mal, ça n'a rien à voir avec 30 secondes où je ne pense pas au ventre, c'est vraiment deux choses totalement différentes. 20 secondes, ventre rentré, mais auto-agrandissement, vous allez avoir un gainage beaucoup plus fort, et une amélioration de la posture. Prochaine vidéo sera, je parlerai plus comment renforcer la posture, mais déjà c'est important de comprendre que le gainage de base va améliorer la posture. C'est pas juste un travail de la sangle abdominale tout simplement, c'est juste auto-agrandissement pour étirer la colonne, travailler tous les muscles autour du dos pour vraiment fortifier. Donc je vous dis, il y a trois exercices qui vont vous aider. Le gainage ventral qui est très intéressant, le gainage ventral sur les coudes, comme je vais vous montrer en rentrant le ventre, et les obliques aussi, ici. Donc d'abord sur les genoux, le coude bien sous l'épaule. Ici, au début, plus facile, je vais mettre la main, c'est là qui ne sert à rien, au sol. Je pousse sur ma main, je m'agrandis, je pousse fort sur mon coude au sol, là. Ici, je serre fort le ventre, j'amène un peu le bassin en avant, je cherche bien à m'aligner épaule, bassin, genou.
Hop, ici. Donc au début, je peux le faire avec la main au sol pour me faciliter la tâche. Parce qu'on peut trouver ça dur. Donc je serre le ventre, je suis concentré sur le ventre. Je ne suis pas juste en attente ici. Là, il ne se passe rien. Je m'auto-agrandis vraiment la tête, le ventre. Ici, je serre le ventre. J'amène le bassin en avant, mais en serrant fort le ventre, mon dos est protégé. Je suis à l'aise. J'ouvre ici parce que je cherche toujours à m'auto-agrandir. Là. Ok? Je suis à l'aise. Une jambe. La jambe le plus proche du ciel, devant tendu. Et l'autre jambe, ici. Et je tends. Et je pousse fort sur les bras. Et je maintiens. Pareil, une vingtaine de secondes, c'est déjà pas mal. L'épaule bien au-dessus du coude. Et je suis à l'aise. Hop, je vais mettre ici. Là, les deux pieds alignés. Ici, il y a un travail d'instabilité un peu plus. Et je m'auto-agrandis toujours. Épaule basse et je serre fort le ventre. Je suis concentré sur le ventre. Si je ne suis pas concentré sur le ventre, ça fait ça. Là, vous voyez, je bouge un peu le ventre. Ça travaille, mais pas hyper efficace. Je serre le ventre en m'auto-agrandissant. Ici, là, c'est efficace. Ok ? D'un côté, pareil de l'autre, on maintient. D'accord ? Donc, le maintien du ventre rentré est tellement dur que le fait de le tenir sur 10 secondes, c'est déjà très bien. Entraînez-vous à faire cet auto-agrandissement sur une dizaine de secondes et vous allez voir que vous allez sentir que votre dos va vous remercier. Par exemple, le gainage sur le ventre, gainage lombaire, ici, faites-le entre 20 et 30 secondes. Le gainage ventral, je vous conseille une dizaine de secondes. Hop. Mais par contre, 3 fois. D'accord ? Vous faites des pauses 2 ou 3 fois. Cherchez pas forcément 30 secondes tout de suite. Cherchez à le faire en 2 ou 3 fois avec des mini-pauses pour atteindre les 30 secondes. D'accord ? Vous faites gainage ventral, vous faites une petite pause, 5 à 10 secondes, vous faites une deuxième fois, puis une troisième fois. Pareil sur les obliques. Vous faites ça 3-4 fois. 3-4 fois. Et vous allez voir, rapidement, vous allez vous sentir mieux. Vous pouvez le faire tous les jours, donc 3-4 séries comme ça, avec des pauses, hein, vous faites gainage lombaire sur le ventre, gainage ventral, donc entre 10 et 30 secondes avec, enfin 30 secondes par exemple, entre 20 et 30 secondes avec une à deux pauses pour atteindre vos 20 à 30 secondes, mais toujours ventre rentré, sur les obliques, pareil 20 à 30 secondes avec une, deux, trois pauses des deux côtés, vous faites 3-4 fois, tous les jours ou tous les deux jours, et vous allez voir, rapidement, vous allez vous sentir mieux. Je le répète, on serre le ventre, mais on cherche à s'auto-agrandir. On abaisse les épaules, même debout, si vous faites ça, là, auto-agrandissement, je me tire sur la tête, je serre le ventre, et vous allez sentir que le dos va faire du bien. Le gainage, le gainage, je le répète, parce que je vois pas mal de ça maintenant, des gens qui vont contredire le gainage, c'est pas juste maintien du ventre rentré, non, c'est renforcement des muscles profonds et l'amélioration de la posture. D'accord ? C'est pas ça. Vous voyez mes épaules ? Je m'agrandis bien. Donc, première vidéo, on est travaillé sur la mobilité. Je vous conseille vraiment de travailler la mobilité, mais aussi l'étirement des ischios jambiers si vous êtes un peu raide. Mobilité, étirement, pour que le dos puisse être le plus mobile possible, le mieux respirer possible. Travail de gainage pour les muscles profonds, pour avoir un tronc qui est bien maintenu, bien ciblé. Et la troisième vidéo, on va voir le travail postural. Donc, on va aller beaucoup plus loin, travail postural et travail de gainage dynamique pour avoir un gainage fort dans vos mouvements. Ok, ça sera ça dessus, la prochaine vidéo sera sur ce sujet là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est pareil, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.